Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la composition de fonctions avec le logiciel de calcul formel XCAS. Alors, on va commencer par les fonctions de base. On va commencer par la fonction affine. A de x égale mx plus p. Voilà. Ensuite, on va prendre une seconde fonction qui va être la fonction inverse, que je vais appeler inf de x. Et qui va être donc 1 sur x. Voilà. Alors je vais l'appeler plutôt u de x parce que voilà. I, c'est quelque chose qui est déjà pris par xcas. Voilà, donc je vais faire la première composition. Je vais l'appeler g de x. Ça va être U appliqué à la fonction a. Donc ça va nous donner l'inverse de la fonction affine. Voilà. On se retrouve avec 1 sur mx plus p. Maintenant, je vais prendre f comme étant la composée dans l'autre sens, c'est-à-dire donc a composée avec u. Donc du coup, ça devra donner m sur x plus p. Voilà. Et donc on va tester ça tout de suite. Et on obtient m sur x plus p comme annoncé. Voilà. Et ça marche évidemment avec n'importe quel type de fonction. Donc on peut s'amuser à prendre s de x égale les fonctions déjà programmées comme sinus composées à la fonction affine. Voilà, et donc on va voir f de x égale sinus de mx plus p. Bien évidemment, ça marche donc dans tous les sens possibles. On peut construire ainsi les fonctions. Qu'est-ce qu'on peut construire comme fonction? Une fonction racine carrée. Voilà. Donc on va prendre hop, cette fonction-là, on va l'appeler t. Et au lieu de mettre. On va faire sinus de racine carrée. Voilà. Par exemple. Voilà. Et donc on a appelé ça t de x, et bim bam boum, on a sinus de racine carrée de x. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la composition de fonctions avec xcas.